Bonjour, on va passer un moment ensemble à faire des marque-pages pour vos livres. Je vous laisse avec le tutoriel. Donc pour créer ces marque-pages, on aura besoin de ce genre de matériel. Donc c'est du fil qu'on peut tordre comme on veut, hein, que j'ai pris chez Action. C'est le fil lilas, il y a argent, il y a doré, vous avez un peu toutes les couleurs que vous voulez. Donc, et nous allons faire ces marque-pages. Donc là, je vous montre un peu, j'en ai fait quelques-uns pour vous les montrer. Voilà. Et nous les décorons ensuite pour délimiter nos pages de lecture. Donc, je vais prendre déjà, je vais commencer avec celui-ci, argent. Et nous allons faire celui-là. Donc, je vais dérouler le début de mon fil. Voilà. Je garde toute la longueur. Je défile correctement. Voilà. Je mets bien droit. Vous le lissez bien. Ensuite, nous allons faire cette figure. Pour faire cette figure sur le haut, nous allons tourner. Donc pour tourner, vous pouvez tourner avec ça. Vous prenez, plus vous voulez que ça soit petit, plus vous prenez quelque chose de petit. Par exemple, tout ce que vous avez, un crochet. Vous allez le mettre au début. Attention, au début de votre travail. Voilà ce qu'on va faire. Je vais déjà... Je ne peux pas couper parce que je ne sais pas quel modèle je vais faire. Sinon... je ne sais pas combien ça me prendra, donc je vais dérouler un petit peu pour avoir de l'aise. Donc, c'est vrai que c'est gênant un petit peu, là. Donc, ici, je vais tourner mon travail sur lui-même et je vais faire un petit cercle, comme ça. Ensuite, je vais tourner dessus une fois, deux fois, un peu ce que vous voulez obtenir. Moi, je vais obtenir celui-ci. Ce cercle-là du centre. Donc, je fais trois fois. Une fois que j'ai fait trois fois, je vais agrandir ici. Donc là, je vais prendre quelque chose de plus épais. Et je vais, voilà, baisser. Vous voyez, mon cercle. Donc, vous pouvez faire, pour faire celui-ci, vous faites trois ou quatre cercles. Il est très bien fait. On va faire celui-ci. C'est plus simple et après on ira au plus compliqué. Donc le voilà. Je vous le montre un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà celui-ci. Donc je tourne celui-ci quatre fois sur lui-même. Ensuite, je prends un plus épais que je vais... Voilà, tourner comme ça. Là. Et ensuite, je vais reprendre vous pouvez prendre un stylo, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça. Hop, et là, ça vous forme celui-ci. Regardez, celui-là. Là, je le mets tout droit. Je descends bien. Je mesure à peu près. Je pense que ça doit faire à peu près. Je prends ma mesure à peu près 18 cm. Donc, je prends ici à peu près 18 cm du haut. 18, je suis ici. Et là, je vais voilà, couper à peu près 5 cm. De 10, donc 18, je tiens ma main et je mets 5 cm, à peu près 5 cm, et je découpe à 5 cm. Voilà. Donc ça me donne ça, 18 plus 5 cm, vous rajoutez, vous faites l'addition, parce que le soir, moi, je ne peux pas. Ensuite, je prends ce qui est plus fin, donc un crochet, ou ce que vous avez... chez vous, et nous allons faire voilà le cercle du bas. Donc je le rentre comme ça, et là
je tourne, je fais mon cercle. Je l'enlève, une fois que j'ai fait mon cercle, je peux tourner à la main. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois qu'on a fait ça, on le penche un petit peu sur le côté. Vous avez, là, vous essayez de faire, bien sûr, un joli maintien. C'est-à-dire, voilà, vous avez votre premier marque-page. Ici, nous allons faire ensuite les décorations. Là, c'est le premier. Donc, c'est celui-ci. Je vous en ai fait des simples parce que pour débuter, vous en faites des simples. Le premier marque-page. Le deuxième marque-page, nous allons faire celui-ci, celui que j'ai commencé le premier et qu'on n'a pas terminé. Donc là, pareil, nous allons dérouler notre cercle bien droit. On va faire pareil, on va faire un petit cercle avec ça ou un stylo. Hein. Je vais vous mettre un stylo pour que vous voyez, je vais prendre un peu plus fin. Essayez de prendre plus fin. Vous pouvez travailler avec tout, même avec vos painting, vos stylos painting. Hein. Vous pouvez le faire aussi. Regardez, hop, vous mettez un rond. Donc là, vous avez le rond. Et après, vous travaillez à la main. Donc, on va faire, je vais faire trois. Je regarde celui-ci que j'ai fait. Donc, ensuite, on descend en grand cercle. Et comme ça, on descend en grand cercle, je le ramène dessus, hein? Je le ramène dessus, voyez, comme ça, et là, je vais faire, je descends ici et je fais une petite boucle, ce qui veut dire que je le ramène comme ça, je passe dessus et je vais sur le côté. Et je vais sur le côté. Vous faites des jolis, un joli arabesque. Ici, j'arrive ici. Je fais pareil dans l'autre sens. Voilà, je le plie. Je fais un petit cercle dans l'autre sens que je passe en dessous, bien sûr. Voilà. Regardez. Je passe en dessous. Et là, je passe dessus pour faire un joli maintien. Ici, je l'arrange, bien sûr. À vous, bien sûr, de arranger votre création. Une fois qu'on a fait ça, vous arrangez, vous tournez un peu plus. Et puis, vous voyez, des moments, on obtient même des choses très jolies. Hein. C'est à vous, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Ensuite, on va le descendre ici. On va mettre à peu près 3 cm. On va prendre notre tube ou notre crayon et on va descendre comme ça. Voilà. Nous allons le descendre. Là, celui-ci, nous allons le remonter. Et celui-là, on va le descendre en bas. Regardez, je renlève un peu mon fil de fer. Voilà, je descends bien comme ici. Voilà. Je mets 18. 18 plus 5, parce qu'on finit toujours avec 5. Là, un petit 5, un petit 6, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour vous délimiter un petit peu votre travail. Voilà. Ici, nous l'avons, donc on le travaille, bien sûr, on le fait bien comme ça. Vous voyez, c'est à peu près celui-ci, mais ça peut devenir autre chose. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu comment on travaille. Là, ici, je prends mon petit pour le terminer. Voilà, je fais un petit cercle et là, je tourne sur lui-même. Vous tournez comme vous voulez. Vous voyez un peu la longueur que vous voulez faire de votre marque-page. Et là, vous avez votre marque-page.
bien sûr, vous le soulevez comme ça, voilà. Et ça vous donne votre marque-page ici. Ça vous en donne un autre. Et là, nous allons faire, bien sûr, dans les cercles, vous allez voir, on va faire des décorations. Donc, je vous en fais un petit troisième. On va faire à peu près celui-ci, pareil. Je vais le faire en violet. Donc, bien sûr, je déroule bien comme il faut. Vous déroulez bien comme ça. Parce que si vous le tournez dans l'autre sens, il va être déjà mal placé. Donc, vous faites bien comme ça. Ensuite, pour celui-ci, si je me souviens bien, j'ai pris truc, on va tourner. J'ai fait plus petit ici, sur le bord. Vous voyez, je l'ai bien rentré. Et là, je l'ai fait comme ça. Donc, je l'ai pris dans l'autre sens, attention, comme ça. Vous voyez comment vous le prenez. Voilà, j'ai travaillé comme ça. J'ai monté celui-ci en haut, ici. J'ai fait, bien sûr, une boucle comme ça, que j'ai passé de l'autre côté avec celui-ci. Voilà, j'ai fait une grande boucle que vous passez, bien sûr, sur une fois et deux fois. Passer deux fois, ça fera plus joli. Hein, deux fois. Ensuite, on fait, bien sûr, la grande boucle. C'est celle qui va passer sur le livre. Vous voyez. Attention. Et là, on va un petit peu surélever. Je regarde bien. Voilà. On l'arrange bien. Voilà, ici, on le tourne de l'autre côté. À vous, bien sûr, de le faire correctement. Hein? Ici, je vais le descendre comme ça. Il est d'une autre façon, mais ce n'est pas grave. Vous verrez, avec les décorations, il sera très joli. On ne peut pas obtenir toujours la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait des boucles pour pouvoir faire les décorations. 18 plus 5... C'est la longueur que j'ai définie, moi, pour mes livres, à moi, à peu près ce que je lis. Et là, je vais faire mon petit rond, petite arabesque. Après, vous pouvez regarder et faire plus joli comme moi. Hein. Moi, je vous en ai fait vraiment des petits simples, qui sont faciles à faire, et vous pouvez faire les simples pour essayer de maîtriser un peu vos fils avec cela. C'est de très simple, comme ça vous maîtrisez bien, et une fois que vous l'avez maîtrisé, vous pouvez ensuite en faire des plus compliqués. Donc voilà, ça vous donne un comme ça, ce qu'il y a de plus simple, celui-ci à peu près. Voilà, parce qu'on ne peut pas toujours avoir les mêmes. Voilà. Mais on va dire que c'est un des plus simples. Donc, maintenant que nous avons nos trois marque-pages, nous allons les décorer. Alors, pour décorer nos marque-pages, j'ai sorti à peu près toutes les décorations d'action, les ribbons, les perles, les fleurs et tout ce qui s'ensuit. Hein, à vous de décorer un peu comme vous voulez. Donc, déjà, je vais commencer par celui-ci. Donc, j'ai pris... J'ai pris de la dentelle d'action. Voilà, on va prendre ça. J'ai pris cette dentelle ici que je vais découper sur le centre. Au centre, comme ça. Je vais enlever les bordures, garder que les cercles. Donc, je l'ai découpé. Ça m'a donné ça. Ensuite, j'ai pris du ribbon d'action. J'ai découpé un morceau, je peux vous dire à peu près combien, si vous voulez vraiment faire à l'identique, à peu près 10 cm. Voilà, donc je vais rentrer, je vais prendre le milieu de mon petit ribbon, mes petites dentelles, et là je vais rentrer à l'intérieur mon ribbon. Donc là c'est à peu près le centre, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment le centre. Donc, je vais essayer de rentrer ici dans le centre pour pouvoir le récupérer de l'autre côté. J'espère que ça va aller du premier coup.
J'essaye un peu de décorer un petit peu comme je veux, hein. Vous pouvez avoir de jolies décorations. Moi, c'est vraiment avec le matériel d'action. Donc, on l'a passé dans le centre. Dans le centre, je fais un petit nœud. Je prends mon marque-page, je prends le bas, je vais décorer sur le bas de ma création, sur ce cercle, sur le cercle du bas. Donc, je rentre à l'intérieur mon ribbon que je vais bien sûr mettre sur le milieu. Je vais faire un petit nœud. Un joli petit nœud. Essayez d'avoir au moins le milieu. Ça vous donne déjà, voilà, un petit comme ça. Vous le réglez bien sûr un peu comme vous voulez. Moi, je vais couper comme ça. Ça vous donne déjà, voilà, votre premier, la première déjà décoration. Ensuite, je vais me servir, j'ai pris du fil un petit peu, du cordon élastique hein, que vous trouvez en mercerie, et je vais prendre des perles de chez Action. Donc, je vais rester toujours dans le ton des roses un petit peu, et je vais enfiler, je vais faire un petit lacet de perles. Donc, je fais ça en accéléré, et je vous reprends. Donc, j'ai enfilé mes perles qui sont assez compliquées. Hein. Moi, je les retroue un petit peu parce que je trouve qu'elles ont du mal à passer sur le fil. Donc, ça a été un peu plus long. J'ai rajouté, bien sûr, une petite fleur de chez Action en bois dans les tons de rose. Et là, je vais l'accrocher. Je vous fais vraiment de plus simple. Si vous avez de plus belles décorations, bien sûr, vous les mettez. Et là, on va l'accrocher. On va, bien sûr, faire un nœud. Sur notre, on va faire un petit nœud, 1 et 2, et je mets un point de colle parce que sinon ça s'enlève, c'est du plastique, donc il faut mettre un petit point de colle pour que ça colle bien sur mon petit nœud en plastique. Donc déjà, voilà, ça. Je le tiens parce que ça peut se défaire. Hein. Le temps que ça colle bien, ça vous donne ça. Nous déjà. Continuons. Donc ici, j'ai laissé un petit peu dépasser, quand j'ai accroché mes perles, j'ai laissé dépasser un petit peu le plastique, le fil de plastique. Donc là, je vais lui coller une petite clé que j'ai pris, bien sûr, à nose, celle-ci. Donc vous, vous mettez un peu les décorations que vous voulez. Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut faire, voilà, sur mon petit fil en plastique que vous avez accroché, vous laissez, quand vous accrochez, vous laissez toujours une petite marge comme ça pour pouvoir mettre un petit, j'espère que ça va coller, sinon on rajoutera dessus quelque chose de la colle. Donc je pense que je vais rajouter de la colle parce qu'elle colle bien, mais sur cette surface. Je le mets dessus comme ça. Et là, je vais rajouter. Vous voyez, ça ne colle pas bien. Donc, je vais prendre. Je m'excuse, je vais vous bouger un peu parce que mon scotch est juste derrière. Je vais prendre un petit peu de scotch double face. Je vais en prendre un petit bout. Le mettre derrière ma clé. Hein, le placer derrière la clé parce que je trouve qu'il colle pas très bien sur mon plastique. Défaire. La décoration, ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Donc c'est vrai. Et là, je vais le coller sur mon. Voilà. Ça colle beaucoup mieux. Ce qui vous donne ça. Je vous montre ça. Attendez que je la mets à l'endroit. Je l'ai mis un peu à l'envers. Voilà, ça vous donne une petite clé comme ça. Voyez.
Ben voilà votre premier marque-page décoré. Donc voilà, ça sera le premier. Pour le deuxième, je vais utiliser celui-ci. Et pour les garnitures, je vais prendre un rouleau de papier hygiénique. Hein. Il a été fini, donc ce qui reste, les rouleaux de papier, et je vais les utiliser. Donc là, je vais faire une découpe. Et je vais l'ouvrir. Je vais prendre mes rouleaux de Watchy et je vais faire des embellissements avec. Donc je vais, alors je regarde où est l'entrée déjà. Je vais les dérouler et là je vais faire des papillons. Donc je découpe ici, je vais les placer sur mon rouleau de papier. Voilà. Donc ça va jusque là. Hein? Et là, je vais découper les papillons. Ça me fera des embellissements pour mettre sur ma création. Donc là, je vais mettre en accéléré pour aller plus vite. Voilà, j'ai découpé mes petits papillons. Donc maintenant, je prends mon marque-page. Je vais prendre de la dentelle, du ruban comme ça. Je trouve qu'il est pas mal. Je vais le placer sur le milieu, sur mon milieu. Je fais un petit, voilà, un petit nœud comme ça, en rentrant les deux et en faisant sortir les deux de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un petit peu de blanc. J'aime bien ce blanc. Donc, pareil, je vais prendre un petit peu la mesure. Ça fait à peu près 10-10. Vous regardez un petit peu la longueur de votre marque-page. Là, je coupe ici. Je fais pareil, je range parce que sinon j'en ai partout. Donc je le prends comme ça, je plie en deux et je le mets sur le milieu de l'autre. Essayez de le mettre dessus. Donc là, je pense que c'est comme ça. Non, c'est dans l'autre sens pour avoir la plus jolie, plus belle partie. Comme ça, je rentre les deux à l'intérieur et là, je fais glisser les deux dessus. Voilà, ça vous donne ça. J'aurais bien voulu le mettre dessus. Attendez, on le enlève. Je fais partie, je mets les deux. Je veux le mettre dessus. Dessus ce gros nœud. Donc, je fais comme ça. Je place mes deux. Voilà, mes deux parties ici. Je les sors. Et ensuite, je vais chercher celui-là que je rentre à l'intérieur pour qu'il puisse rentrer dedans. Ça puisse chevaucher et là je vais le mettre sur le centre et tirer. Je vous explique après ce que ça donne. Voilà, ça me donne, il va être sur l'autre. Voilà, il veut chevaucher sur l'autre, ça fera plus joli. Voilà, et là je tire. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre les deux parties là. Et nous allons coller des papillons. Donc je vais mettre ce papier en dessous pour pas salir ma glace. Et là, je vais coller sur ma partie des petits papillons. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un autre sur un peu plus haut. Plus petit.
Voilà, celui-là. Voilà, j'attends bien que ça colle. Je fais deux petits nœuds sur mon ruban. J'aurais pu le faire avant, mais faites-le quand même. Voilà, joli petit nœud. Ici, c'est pareil. Un joli petit nœud. C'est assez long, les décorations. Voilà, un petit nœud comme ça. Là, vous remettez bien que ça colle. Il faut bien laisser coller. Ça me colle dans les doigts. Pour vous dire qu'on n'y arrive pas du premier coup. Voilà. Déjà, ça vous donne ça. Regardez. Les petits papillons qui collent dessus. Ça vous donne ça. Je continue. J'attends que ça colle. J'essaye de surélever un peu. Il ne faut pas que ça colle dessus. Voilà, bien retirer le papillon. Vous voyez, il s'est enlevé parce que faut vraiment le laisser coller sur votre ruban. Voilà, je le laisse bien coller avant de le retirer. J'en remets un autre plus bas. Ici. Et là, j'attends bien que ça colle. J'ai attendu que ça colle. J'en ai remis un autre dans l'autre sens. Vous mettez recto verso des papillons. Comme ça, quand ils tournent vos petits lacets, il y a des papillons des deux côtés. Donc, vous voyez, j'ai fait hors caméra l'autre côté. Donc, vous collez un autre papillon. On en a collé un comme ça. Et vous en collez un de l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre les nouvelles perles d'action, assez un petit peu nacrées, comme ça, c'est les nouvelles. Et je vais les rentrer à l'intérieur de mon ruban blanc. Donc, j'en ai déjà rentré une. Vous prenez un lacet ou vous pouvez les rentrer. Hein, parce que, voilà, on va faire encore un nœud un peu plus grand. Ça fait une paire et là je vais couper ici. Vous prenez votre perle et vous prenez un crochet à napperon très très fin comme moi. Vous le passez sous votre aiguille. Vous prenez un peu le milieu de votre ruban assez très très fin qui n'est pas très épais et vous le faites rentrer dans l'aiguille. Ce qui vous donne ça. Vous pouvez en mettre deux, trois, vous en mettez combien vous voulez. Moi, j'en mets qu'une. Ou même, ah, pourquoi pas. Allez, soyons fous, on va faire des décorations. Donc, je vais en mettre une comme ça. On va faire autrement, ça fera peut-être plus joli encore. Donc là, nous allons placer la perle sur le bout, ici. Et nous allons, voilà, rajouter une deuxième. Je vais en mettre d'une autre couleur. Donc, je vais prendre du beige. Je la passe à travers. Et je ramène le tout ici. Une. Et deux. Je passe à travers. Je passe à travers mon ruban. Et je la ramène. Et là, je mets une. Deux. Et trois petits nœuds pour pas que la perle passe de l'autre côté. Vous obtenez ça que l'on va accrocher toujours sur notre marque-page. Vous faites de très belles décorations. Voilà, vous accrochez un peu ce qui vous plaît. Voilà ce que ça vous donne. Regardez pour celui-ci. Donc, dans les tons de marron, de un peu vintage. Ensuite, ce que je vais faire, je vais toujours prendre du... Je reste dans le même ton. Hein. Je prends un petit lacet aussi. Et là, je vais prendre des photos. Donc, j'avais fait pareil que les papillons. J'avais pris toujours dans le vintage ce rouleau. J'ai fait des petites... Voilà, des petits embellissements aussi. Donc, j'avais fait des petits timbres. Donc là, on va coller nos petits timbres dessus. Donc, je vais mettre
de la colle, bien sûr, je vais prendre un papier. Je ne sais pas où est mon papier, pour pas que je salisse. Le voilà, que je salisse ma vitre. Donc là, je mets de la colle. Je mets mon timbre dessus, ma photo. Là, je vous montre bien, je le tourne dans l'autre sens et j'en mets un deuxième. Voilà, ça fasse des deux côtés. Je mets un deuxième comme le papillon. Vous voyez, je le prends à l'intérieur. Ça vous fait dans les deux sens. On attend bien sûr que ça colle. Je fais pareil dans l'autre sens. Sur le bas, je mets deux photos ici que je colle pareillement. Donc j'en mets une là. J'en mets déjà une en dessous qui sera en dessous de ce côté. Je mets de la colle. Je place mon ruban. Je remets de la colle sur tout mon côté. Et là, je place ma deuxième illustration. Oh, attention. Et là, je place ma deuxième illustration. Donc, ça vous fait une illustration comme ça. Il faut bien que ça colle. Vous pouvez mettre une perle en dessous. J'attends que ça colle et je vous reprends. Donc voilà, ça a collé. J'ai mis une perle sur le bas. Vous voyez, une petite perle sur le bas de vos illustrations. Et là, ça vous fait votre décoration. Donc, on va l'attacher. Donc, je la rentre à l'intérieur. Oh, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû mettre... Non, elle va rentrer. J'aurais dû quand même mettre l'image avant. Mais on va la faire rentrer quand même. On va appuyer sur l'image. Elle va rentrer, l'image. Voilà. Je n'ai pas pensé que l'image pourrait être un peu plus grande que le trou. Donc là, je l'attache. Je fais un nœud. Je passe à l'intérieur, bien sûr. Et là, je l'accroche. Et ça vous donne ça. Faites attention de ne pas abîmer votre marque-page. Voilà ce que ça vous donne. Regardez. Ça vous donne une autre illustration. Une autre... Je vais l'enlever. Il y a de la colle. C'est pour ça que ça... Je remets un peu parce que j'ai mis de la colle. Voilà ce que ça vous donne. Je suis hors champ là. Regardez ce que ça vous donne comme illustration. Voilà. Donc, je trouvais ça assez joli à faire. Voilà, regardez. Je vous montre bien. Voilà vos images des deux sens avec les petits papillons, les nouvelles perles d'action, le ruban d'action. Vous avez la totale. Ensuite, vous pouvez après... Donc là, j'ai découpé un ruban de la même assortie à celui-là. Je vais faire essayer de faire un nœud. Il est un peu petit. Est-ce que je vais y arriver? J'espère du premier coup. Eh ben non, on recommence. On met les deux boucles qu'on rentre à l'intérieur et on tire. Donc j'essaye de le faire un peu correctement parce qu'il est tout petit. Donc je n'ai pas pris beaucoup. Voilà, j'essaie de l'arranger plus ou moins. Voilà, je retire. Là, je mets, je descends un peu, ça vous fait un petit nœud. Je mets un petit point de colle ici. Je mets un petit point de colle et là, je le colle sur mon... Voilà, je le colle sur le haut de mon dans mon marque-page. Vous le mettez en haut. Voilà, ça vous donne ça. J'attends bien que ça colle. Alors pour le troisième, j'ai fait quelques petites décorations hors caméra. Donc j'ai mis des petites perles avec des petits... Je fais une petite composition comme ça pour faire joli, que je vais accrocher. Là aussi, j'ai pris mon ruban. Vous prenez le ruban que vous voulez. J'ai mis des perles d'action en bois qu'on a eu. Donc j'ai mis une petite perle, une demi-perle que j'ai collée dans le centre en rentrant le ruban. Donc je vais l'accrocher à l'intérieur
de mon cercle ici. Donc on va essayer de le rentrer. Il va rentrer de ce côté. Voilà, vous l'amenez jusqu'au centre de votre cercle. Et là, vous l'accrochez ici au centre. Donc moi, je vais l'accrocher là. Déjà mon premier, voilà. Ensuite je vais mettre le deuxième, donc celui là je l'ai mis avec du fil, vous savez, de fil de pêche transparent. Donc là je vais le bien sûr l'accrocher pareillement. Je fais un petit nœud. Vous décorez le centre de votre marque-page. Donc là, je fais plusieurs nœuds. Je mets même de la colle sur le nœud en plastique pour pas qu'il se défait. J'en fais plusieurs. Je mets un point de colle dessus. Voilà, je mets un petit point de colle dessus. Sur le bout de la perle. Voilà. Comme ça, ça collera bien. J'enlève les deux que je vais découper ensuite. Donc ici, je découpe. Ils ne se verront pas. À 5 mm du bord, ça vous donne déjà ça. Je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais le descendre. Voilà. À l'intérieur, ça vous donne déjà ça. Vous voyez ? Déjà une petite breloque comme ça. Nous allons rajouter, je vais rajouter de la dentelle. Donc j'ai pris de la dentelle de chez Action. Donc j'ai découpé un petit, une petite dentelle que vous mettez. Hein. Vous regardez un petit peu combien vous voulez mettre. Tout dépend de votre marque-page. Donc là, je vais prendre, vous savez, on faisait des colis brésiliens à l'époque avec mes petites filles. Donc, j'ai gardé les petits élastiques et je les utilise quand il faut les placer sur, sur mes marque-pages, ou etc. Donc, vous le prenez comme ça. On rentre, on plie en deux, on rentre notre dentelle. On la passe de ce côté. Ça fait comme une petite cravate, on va dire. On tire dessus. On tire doucement, faites attention. Voilà, on tire dessus, notre nœud vient dessus comme ça et vous n'avez plus qu'à accrocher votre petit plastique sur votre marque-page. C'est une autre façon aussi de placer vos breloques ou vos décorations. Donc là, je rentre, bien sûr je le prends ici, je rentre ma dentelle et là je tire. Donc là, vous voyez, je l'ai, il est dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à, bien sûr, les disposer joliment sur votre marque-page. Donc, une fois qu'on a fini ça, et j'ai de la colle un peu, c'est la colle que j'ai mis un petit peu sur la perle pour pas qu'elle s'en va. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous n'avons plus qu'à nous servir de nos marque-pages. Donc, nous avons fait celui-ci. Nous avons fait celui-ci aussi avec de la dentelle un peu fantaisie. Nous avons fait aussi celui-là, un petit peu vintage. Donc, je vais vous les placer sur les livres parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas bien. Comme moi, je lis beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un qui lit énormément. Donc, j'aime bien voir de jolis marque-pages. Et j'en vous en ferai encore des autres. Hein. Comme c'est l'été, on va sortir nos livres. Donc, on va lire beaucoup. Donc, voilà comment il se présente. Donc, vous avez votre livre à lire. Vous le mettez. Vous mettez votre marque-page comme ça et voilà ce que ça vous donne. Voilà. Et là, vous avez votre page qui est indiquée. Voilà. Voilà pour le premier. On va me faire le deuxième. Donc, on va prendre le vintage un peu. J'ouvre mon livre. Donc, à une page, on va dire que je m'étais arrêtée à cette page. À la page... Alors, j'y vais au feeling, à la page 182, mais je ne les ai pas encore lues. Hein.
Je les prépare pour les lire cet été pour les vacances. Voilà ce que ça vous donne comme marque-page. Donc là, quand vous ouvrez, vous avez votre marque-page qui tient vraiment bien la page, vous voyez. Je vais l'ouvrir. Regardez, il est là. Vous le placez comme ça. Et là, ça vous fait un joli marque-page. Voilà, pour lire, ça fait très, très joli. Et quand vous le rentrez dans la bibliothèque, eh ben, il reste, ça fait une garniture. Donc, pour le deuxième, voilà. Et on va mettre le troisième. Le troisième qui est un peu vintage, on va le mettre sur notre troisième livre. J'ouvre le livre, pareillement. Je place mon marque-page. Et le voilà. Regardez ce que ça donne. Et ça vous marque bien votre page. Voilà, regardez votre page. Elle est bien inscrite ici. Et quand vous fermez le livre, ça vous donne, vous le fermez, vous le placez comme ça, bien sûr. Vous pouvez vous le placer surtout sur le côté. Pas de ce côté, sur le côté de la reliure. Donc voilà, bon marque-page. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez vos jolis marque-pages pour vous aider dans vos lectures. Donc, je voulais vous les proposer. Je trouvais ça assez joli et assez sympathique à faire. Donc, comme vous savez que j'aime beaucoup faire du manuel, des travaux manuels, et comme c'est l'été et que j'ai l'intention de lire, donc ça m'arrive de lire deux livres à la fois. J'en lis un et j'en... parce que j'aime bien les biographies, les documentaires, donc ça peut m'arriver d'intervertir un peu mes livres. Donc là, avec mes marque-pages, ils sont dans ma bibliothèque, ils sont très beaux et je peux les prendre quand je veux. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je repasse bien sûr un grand bonjour et un remerciement à mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Au revoir.